Filming. Hein? Filming. Oui. C'est vraiment spécial. Lundi matin? J'ai pas d'acide lactique. J'ai pas de douleur dans mes articulations. J'ai pas de douleur dans mes hanches. J'ai fait 10 reps 3 fois, un peu plus que la semaine passée. Puis à part mon cœur, je sais pas parce que j'ai un cœur de femme culturiste et pas un cœur d'athlète. Le reste, c'est hallucinant. Comment tu te sens dans le linge? Respire bien? Très confort. Ça respire bien. Je sens la chaleur qui se propage partout dans mon corps. T'as les leggings aussi? Oui. Puis c'est pour ça qu'on voulait que je fasse les leggings pour sentir l'effet dans mes jambes. Puis c'est hallucinant. Est-ce que ça stabilise ton bassin? Mais... Ça stabilise mes hanches, ça stabilise mon bassin. Ça fait en sorte que j'ai pas mal à mon genou. J'ai pas mal à mes fléchisseurs de ma hanche qui sont beaucoup trop forts. Qui viennent faire la situation rapidement. À part le fait que je me rentre le ventre toujours, le reste c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Tant mieux. J'imagine les gens qui sont dans, mon Dieu, le CrossFit, le MMA, même la musculation, je vais en prendre la musculation là, pour voir l'effet que ça a. Je trouve que les résultats sont tellement. On dirait que je me suis entraînée. Fait que je ne vais pas m'entraîner beaucoup plus longtemps. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes un matin? Mon Dieu, ça fait juste 15 minutes. Sauf que la pompe est là, la douleur de la pompe n'est pas là. Complètement différent de ce qu'on est habitué, hein? Oui, ouais, s'entraîner avec un bout de pantalon et un bout de chandail en béton, c'est pas. Ça n'a aucun effet. C'est quoi ton prochain exercice? Ouais, je vais aller faire la musculation, je vais aller faire des triceps, je vais aller faire des biceps, je vais aller faire des épaules, je vais faire du dos. J'ai fait des lunges tantôt. Moi, j'aurais pas en faire jusqu'à ce soir. Fait que c'est tout positif. Très, très positif et très, très impressionnant. Et je suis très heureuse d'être celle qui a la chance d'essayer tout ça en primaire au Québec. Alors, ça va être vraiment à suivre parce que c'est rare que je suis vraiment impressionnée. Là, je le suis. Ça va être à suivre dans la salle d'entraînement. Dans la salle d'entraînement, partout, on va inonder le Québec. Parfait. À plus. Donc, avec la blessure que tu as, ça va aider ta circulation. Je ne vais pas faire des bruits. L'idée, comment tu sens ton bras d'habitude quand tu es dans ton attelle? Très lousse. Puis, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est oui. Engourdi? Est-ce que t'as chaud dans tes doigts d'habitude? Non, j'ai tout le temps les... Oh, pardon. J'ai tout le temps les doigts congelés. OK, fait qu'on va faire le test. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit là, ça. Non, il faut que ça soit vraiment près du corps. Ça va l'être. Je suis mal pris. Merde. J'ai pas l'habitude de t'habiller avec quelque chose de serré comme ça. Jamais. Prends ton temps, ça vaut le coup. Okay. Oui, prends de ça. Wow. Normalement, un chandail régulier, toutes les coutures auraient craqué. Oui, ça, c'est la première chose que j'ai constatée. Il n'y a aucune couture qui a forcé. Wow. Je sens déjà la fraîcheur. Comme si l'air climatisé venait d'embarquer. Je sors de la douche, fait que ma température corporelle est très haute présentement. Fait que là, la suggestion, c'est de remettre mon attelle. Si tu... Mon chirurgien va me chicaner. La... Ouais, mais si tu veux la remettre. Parce que moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment tu sens ta main. Comment tu sens ton bras. Il
Il te fait bien, en tout cas. Hein. Ouais, très sexy. Très athlétique, je pense. Hein? Esthétique? Oui, esthétique, athlétique. Et en plus, plus esthétique avec les bienfaits. Parce que c'est bien beau l'esthétisme, mais là... Jusqu'à ici, un peu plus. Trop grand, tu perdrais l'effet. Là, c'est parfait. Prêt? Oui. On va mettre ça à l'épreuve. C'est bon. Vas-y, tout le monde. Je vais aller sur le nouveau linge Iron One. J'espère que mon chirurgien, docteur Desjardins, je suis calme là-dedans, mais qu'il voyait ce que je m'apprête à faire. C'est un mouvement que je n'ai pas été capable de faire depuis mon opération, qui date de quoi? Un mois et trois semaines. C'est une rotation complète de mon bras. Et voilà. J'en reviens pas. J'ai aucune tension dans mon coude, ni dans mon tendon, ni dans mon rotateur qui fait trois semaines que je suis plus capable de m'en servir dû à mon opération du tendon distal. J'ai été capable, comme vous pouvez voir, de mettre ces pantalons, un en moins, des pantalons à compression, et un bras dans une appel spécifique pour mon tendon. Vous voyez comment ce sera complété. J'ai de la misère au quotidien de mettre mes jeans, tout simplement, mes pantalons de jogging. J'ai été capable de mettre ces pantalons-là à compression, complètement tout seul, sans m'en rendre compte que j'étais capable de le faire avec ma main. J'en reviens pas. Je n'ai pas honte de le dire, je suis un sceptique à tout. Aujourd'hui, je me suis donné la chance d'essayer quelque chose de nouveau. Je suis très content. Très, très content. Ça va être à suivre. Je suis sans mots, littéralement sans mots. La sensation est... C'est dur à expliquer. Très, très dur à expliquer. J'ai hâte d'aller essayer ça. Let's go! Let's go! J'ai une pente, mais un petit peu. J'ai de la chaleur jusqu'à l'intricèbre. Je vais faire mes tricèbres. Fait que t'as perdu compte littéralement après 30 répétitions. Quand c'est rendu que tu dépasses 30 et que tu sais plus à combien t'es rendu et que t'es encore capable, il y a de quoi qui marche pas. C'est pas comme si j'étais habitué de faire des 30 reps. On s'entend que c'est le double de ce que j'ai l'habitude de faire. Fait que, en gros, c'est la deuxième partie de notre petit test du linge Iron One. Un test en musculation. Oui, on est rendu à la partie musculation. On peut voir, malgré la compression du tissu, on voit encore les fibres musculaires travailler. C'est tellement pas le même genre de douleur que je suis habituée. Là, j'ai chaud partout, mais j'ai pas chaud à avoir mal au cœur ou à être déshydratée ou à être désorientée. Ça, c'est le genre d'affaire, je me lèverais, je fais tout. Tu te maintiens hydraté aujourd'hui ou moins que la normale? Un petit peu moins. C'est pas parce que c'est beaucoup, c'est parce qu'on a parlé beaucoup et j'ai moins la chance de boire, mais sinon, normalement, je bois au-dessus d'un litre. Est-ce que tu te sens plus déshydraté que d'habitude? Je me sens pas déshydraté du tout. Je me sens pas tout en sueur non plus. J'ai chaud. J'ai quelqu'un qui transpire quand même beaucoup. Là, je me sens pas mouillé. On peut même voir la vascularité sous le vêtement. Me permets-tu un coup? Il en reste encore? Bien, c'est un point que je m'en allais soulever. C'est ça. T'en avais plus de vascularité, là? Non, j'ai perdu toutes les veines que j'avais, à part les soirs où je carbais. Garde ton bicep. La compression, en plus. Tout mon bras. Quand il y a chaud par en dedans, et c'est comme si je sentais frais par-dessus. Ça, c'est quelque chose avec la diète que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés.
ma température parce que je suis tout le temps gelé. T'sais? Pourquoi qu'on devient gelé? Ben, j'ai pas de cœur. Ma circulation sanguine est loin d'être activée. J'ai pas de. Ma nourriture ne nourrit pas nécessairement. Tandis que là, j'ai même chaud jusqu'aux jambes. On s'entend qu'à l'épaisseur que ça a, c'est pas parce que ça me garde au chaud. Non, moi, je l'ai prêt. Ah, oui. C'est pas vraiment parce que ça dit quand je rentre. C'est quoi la prochaine épreuve? Tu retournes au biceps? Je retourne au biceps, puis normalement, je faisais 30, je faisais 20, puis après ça, je faisais l'air à faire 15. Là, j'ai fait deux fois au-dessus de 30, fait qu'on va faire un autre test, on va voir si je m'en encore à 30. Let's go! Je sais que c'est des 12,5, mais c'était avec ça que je m'entraînais aussi la semaine passée. Après avoir arrêté de m'entraîner tant que ça, et en voulant pas prendre en voulant pas prendre de volume du tout, je dois maintenir mes poids, je dois faire des hautes répétitions. Puis je continue de squeezer pareil comme je squeezais avant, de squeezer en haut. Puis si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est ta journée de carb. Oui. Enfin, on s'entend que c'est demain qu'elle va faire effet, c'est pas aujourd'hui. Je suis encore sur ma journée basse d'hier au niveau de mon énergie. Donc, on peut littéralement voir que ça permet d'arriver à une... à un niveau de répétition élevé, tu n'auras pas été capable de faire normalement. Là. Je ne suis pas du genre à être vendu à quelque chose sans l'avoir testé, sans l'avoir mal fait. C'est pas facile, mais la semaine passée, c'était impossible. Moi, je ne suis pas loin de 30. Tu as dépassé 30. C'est encore mon biceps qui force. Ce n'est pas tous les muscles aux alentours qui forcent. Fait que les muscles aux alentours, comme ton épaule, où qu'on a souvent tendance à tricher avec en faisant des curls, sont plus stables. Je la sens chaude, mais je ne la sens pas pompée. Je ne sens pas qu'elle a travaillé. Les avant-bras ont travaillé, mon biceps a travaillé, la pompe est bonne. Elle ne brûle pas. Puis on s'entend que ton effet de brûlure, c'est souvent ça qui va t'arrêter. C'est parce que tu n'es juste plus capable d'endurer cette brûlure-là. Ça acidifie ton muscle. Tu ressautes au triceps? Moins de 9 semaines avant le New York Pro. Je sens que ça va m'aider à me transformer et à me dépenser. S'entendre que tu t'es reposé très bien en fin de semaine aussi. Oui, en agréable compagnie. Pour vrai? Oui. Wouhou! On s'entend que j'ai pas dormi beaucoup hier. Non. Parce que je faisais des repas. Et t'as préparé ta bouffe? Non, j'ai préparé celle des autres. Ah, merci. Même, j'ai préparé ce matin. Merci, mon amour. J'arrête par fatigue musculaire, pas par douleur. C'est impressionnant. J'ai hâte de voir sur le cardio. À plus.